Können. Es folgt Herr Kollege Tarabella. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, moi aussi je regrette qu'on ait un peu mélangé les genres. C'est le Cambodge qui doit retenir notre attention ici. Alors le Laos et le cas de Sombath Somphone sont évidemment importants. Il ne manquait plus que d'avoir, dans la même zone géographique, une demande de l'Église bouddhique unifiée du Vietnam. Heureusement, on en a échappé. Et donc le Cambodge, pourquoi? Parce que le 3 janvier dernier, des travailleurs de l'industrie du textile, qui sont exploités, qui sont descendus dans la rue afin de réclamer de meilleurs salaires, ont été évidemment plus que pris à partie, puisqu'il y a eu 5 morts et des dizaines de blessés. Répression dure face à des travailleurs qui légitimement demandent des meilleures conditions de travail. C'est totalement inadmissible, sachant que le droit de se rassembler pacifiquement est inscrit dans la constitution cambodgienne, que ces 300 000 manifestants se rassemblaient pacifiquement, et donc il est grand temps que le Cambodge respecte enfin les droits de tous les citoyens, et plus particulièrement les droits des défenseurs de ces citoyens, des travailleurs qui sont exploités avec la complicité de firmes multinationales. Il faut faire tout en sorte que cela change là-bas et que l'on puisse faire pression grâce à cette résolution. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Kollege Tarabella. Zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens, Frau Kollegin Jäätinmäki. Arvoisa puhemies, tekstiilityöläisten ja yleensä työntekijöiden oikeudet ovat ala-arvoisia monissa maissa.